Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter un livre nommé Le combat d'hiver. Ce livre a été écrit par Jean-Claude Mourleva en 2006, édition Gallimard Jeunesse. Je vais vous présenter les quatre personnages principaux de l'histoire. Tout d'abord, il y a Hélène, Milena, Bartholoméo et Milo. Ils sont tous les quatre orphelins. Milo est courageux et n'a peur de rien. Milena a une très belle voix. Bartholoméo est un peu timide et peureux. Et Hélène est très gentille et sympathique et n'a peur de rien. Cette histoire se passe au début du XXe siècle, dans un pays imaginaire où il y a une dictature. Au début de l'histoire, Hélène et Milena vont voir leur consoleuse. Sur le chemin, elles rencontrent Milo et Bartholoméo, près d'une fontaine. Suite à une lettre reçue, Bartholoméo et Milena fuient de l'orphelinat. Suite au départ de Milena et Bartholoméo, Milo et Hélène décident de quitter à leur tour l'orphelinat pour s'enfuir dans la montagne. Suite à ça, il va leur arriver plein d'aventures. Je trouve qu'Hélène Dorman et Milo Ferrandi sont des héros car ils osent partir de leur internat alors qu'ils savent que c'est très dangereux. Ensuite, Milo s'oppose à un homme plus puissant que lui. Quant à Hélène, elle va marcher dans le froid et la neige pendant des heures pour secourir Milo. Pour nous, Milena et Bartholoméo sont des héros mais ne sont pas des héros. Tout d'abord, il y a plusieurs raisons. Premièrement, Milena et Bartholoméo, ce sont eux qui vont partir en premier de l'internat. Deuxièmement, Milena va oser chanter une chanson interdite. Après, pour nous, ce ne sont pour une seule raison, ce ne sont pas des héros à un passage du roman. Car Milena va partir en sachant qu'elle va laisser Katharina Pansek au ciel et Bartholoméo va partir en sachant qu'il va laisser Basile au ciel. Le ciel est une prison. Voilà. Nous avons trouvé que ce roman est plein d'aventures, de rebondissements et d'émotions positives et quelques-unes négatives. Ce qui nous a plu, c'est que des moments de l'histoire sont racontés au passé et que des mêmes moments sont racontés par plusieurs personnages. Et aussi que la fin se finisse bien. Ce qui nous a déplu, il y avait beaucoup de moments tragiques et inattendus. Certains moments nous ont déplu, car il y avait des morts de personnages assez tristes et des passages assez sanglants. À part que ce livre était un peu dur à lire et que la fin de l'histoire était un peu brève, ce livre était d'un rythme intense car il y avait énormément de rebondissements. Ce livre était aussi captivant. On avait toujours envie de savoir la suite de l'histoire.